Je pense qu'on peut développer des choses, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils nous rencontrent. Sinon, je pense pas que ça puisse fonctionner. Parce que sur Internet, tout est contrôlé, nos messages on contrôle, tandis que bah en face, voilà, il n'y a pas ce charme de la personne en fait, je trouve. Bon, en fait, c'est juste des informations en fait. C'est ce que, en fait, tu absorbes juste des informations, mais des fois, tellement que tu absorbes, tu peux oublier, mais. Par exemple, si tu vas à la CAF et que tu demandes des questions, bah c'est du concret. C'est dans ta tête, tu vas te souvenir que tel jour tu es parti à la CAF et que tu as posé telle question, donc tu vas te souvenir et ainsi de suite. Non, débattre sur Internet, c'est pas la même chose. C'est plus facile d'écrire derrière un écran que de parler en face. Les gens, ils préfèrent dire ce qu'ils pensent en écrivant, alors qu'en face, si on fait une réunion, un débat, enfin, en général, personne ne dit rien. Les gens, ils osent pas. Ils sont plus confiants derrière un écran parce qu'on sait pas, on se cache derrière un pseudo. Du coup, les gens, ils prennent la confiance, ils disent des choses, quoi. Si seulement on peut vivre de vraies émotions sur Internet, mais ça n'en passera jamais le contact humain direct, selon moi. C'était une page sur un boys band, donc de fans d'un boys band. Au début, j'étais toute seule. Après, on a été trois administrateurs, dont une de ces trois filles-là qui était pas très loin de moi géographiquement. Et du coup, on s'est rencontrés plusieurs fois physiquement. Et même au-delà de ça, on discutait tous les jours, constamment. On se racontait ce qui se passait dans nos vies alors qu'on ne s'était pas forcément rencontrés. Et tout ça, on s'en servait pour créer du lien et comprendre comment fonctionnait l'autre pour pouvoir homogénéiser un peu tout ce qu'on mettait sur la page. Donc on faisait tout ensemble en fait.